Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je me présente. Mon nom est Nicolas Boivin. C'est moi, votre professeur du cours en ligne Fiscalité 2. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'activité débutera à 17h05 précise. Si vous désirez tester votre microphone et ou votre caméra, vous pouvez le faire maintenant. Je vous indiquerai si je vous entends bien. Ce webinaire auquel vous êtes invité ne se déroulera pas sous la forme d'une présentation magistrale de ma part. La parole est plutôt à vous. C'est vous qui me poserez vos questions. Vous pouvez me poser des questions sur plusieurs choses, peut-être des difficultés pédagogiques que vous avez rencontrées pendant l'étude des sujets 1 et 2 du cours, peut-être des informations que vous désirez obtenir auprès du personnage Gaston Gaulin relativement à l'étude de cas évaluée qui est en cours cette semaine, peut-être des questions en marge de votre préparation à l'examen qui arrive dans les semaines à venir, ou toute autre question. Donc, s'il vous plaît, prenez un petit instant pour lire les consignes qui sont affichées aux pages 3 et 4 du document présentement à l'écran. Entre autres, il est indiqué que vous devez lever la main, entre guillemets, pour poser une question. Donc, durant l'activité du webinaire, c'est important que lorsque vous désirez me poser une question, que vous le manifestiez en levant la main avec l'outil VIA, c'est-à-dire le petit bouton en haut à gauche de l'écran. Vous cliquez sur la main qu'il y a là et moi, ça m'envoie un signal sonore à l'effet qu'il y a une question qui est en attente et ça fait aussi une file d'attente des gens qui lèvent la main à tour de rôle et ça me permet de répondre à vos questions dans le bon ordre. Lorsque votre tour arrive, vous pouvez poser votre question soit en utilisant votre microphone, si vous le désirez, ou tout simplement par écrit en utilisant l'outil de clavardage qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Finalement, je vous rappelle que l'intégralité des échanges qui surviendront lors du déroulement du webinaire est enregistrée et que l'enregistrement est ensuite rendu disponible au visionnement à tous les étudiants. En participant au webinaire, vous acceptez d'être enregistré. À tantôt. Pouvez-vous me dire peut-être si le son est bon dans le webinaire, pardon, dans l'outil de clavardage en bas à gauche, là, juste me manifester si le son est suffisamment fort, si vous m'entendez bien. Ce serait gentil. OK, merci Jean-François. Alors, rebonsoir à toutes et à tous.
Alors, c'est le moment de débuter. Je répète pas toutes les consignes que je viens de dire, là. La majorité des gens, vous y étiez. Mais je vous rappelle donc l'esprit de ce webinaire auquel je vous ai convié. Il y en a deux de prévus dans le trimestre. Le prochain aura lieu avant l'examen final. C'est de vous offrir une plage de 90 minutes pour répondre à vos questions. Donc, de vive voix, là, ou j'allais dire en personne, mais c'est la façon la plus réaliste qu'on peut créer un contact en personne dans le contexte d'un cours en ligne. Donc, c'est ça. Donc, c'est 90 minutes où je me mets à votre disponibilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas préparé aucune présentation magistrale. C'est pas ça l'objectif. C'est plutôt de me mettre à votre disponibilité, sans filet et en temps réel, capter vos questions et y répondre le mieux que je peux. Des questions qui peuvent porter peut-être sur les différents sujets que vous avez étudiés jusqu'à présent. Vous savez qu'on a étudié deux sujets, sujet 1 et 2, et ce sont les deux sujets qui sont en matière d'examen intra. Vous pouvez aussi me poser des questions sur l'étude de cas qui se déroule cette semaine. Il y a certaines informations qui doivent être obtenues auprès du personnage Gaston Gaulin. Donc, vous pouvez profiter du webinaire pour le faire. Ou me poser des questions sur l'examen à venir. Donc, bref, n'importe quoi là, dans le but de vous aider dans votre apprentissage. Donc, comme je vous disais aussi, vous avez une petite image ici, là, juste pour qu'on puisse pas, que ce soit pas trop la cohue, je vous demanderais, s'il vous plaît, lorsque vous voulez poser une question, de lever la main dans l'outil de webconférence. Donc, pour lever la main, c'est le bouton qui est complètement en haut à gauche de votre écran. Donc, en cliquant sur la petite main qu'il y a là, ça vous met dans la file d'attente des gens qui désirent poser une question. Moi, ça m'envoie un signal sonore et comme ça, je peux répondre aux étudiants qui posent des questions là, à tour de rôle. Quand vient le temps de poser votre question, vous pouvez soit le faire en me parlant, donc si vous avez un micro puis vous voulez l'activer, vous pouvez me poser votre question de vive voix, ou si vous préférez, vous pouvez la poser par écrit, la question. Il vous suffit alors d'utiliser l'outil de clavardage qui se trouve complètement en bas à gauche. Donc là, pour l'instant, il y a Laurent Thioux qui a ouvert son microphone. Je vais vous demander de le refermer, s'il vous plaît, puis de l'ouvrir seulement si vous voulez poser une question. Alors, qui veut casser la glace? Ça va prendre une première personne qui lève la main et qui pose une question. Et ensuite de ça, ça défile ensuite de ça, une fois que la glace est cassée puis que la gêne est passée. Merci Jean-François d'ouvrir la balle. Alors, je vais être prêt à recevoir ta question. Tu peux me la poser de vive voix ou en utilisant le clavardage. J'ai vu que tu avais ouvert ton micro, alors je t'écoute. Oui, est-ce que tu m'entends bien, premièrement? Oui, j'entends bien, Jean-François. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout le monde t'entend bien. Ils ne peuvent pas répondre, mais t'entends bien. Concernant le crédit d'impôt étranger, il y a une mention là-dedans. On ne rentre pas dans une convention fiscale, hein? Non, exactement. Donc, dans le cadre du cours, vous avez vu qu'il y avait un traitement fiscal particulier à appliquer quand on gagnait un revenu provenant d'un autre pays. Faire ça simple, dans le rapport d'impôt canadien, on s'impose sur notre revenu brut, donc avant perception d'impôt, avant le paiement d'un impôt étranger, là, donc le montant brut qu'on a gagné, on s'impose dessus. Et effectivement, il y a une mécanique dans le rapport d'impôt canadien qui nous permet d'éviter une double imposition, si on veut. Cette mécanique-là, c'est le crédit d'impôt pour l'impôt payé dans un autre pays. Ce crédit-là, on va l'étudier dans un autre, plus tard, après l'intra. C'est sujet à notre examen final, parce que le crédit d'impôt, il n'est pas présent dans les sujets 1 et dans les sujets 2. Le calcul du crédit lui-même, on va le voir plus tard. Puis encore plus vrai, Jean-François, tu as raison, on s'en tient aux règles de la fiscalité canadienne. Donc, on ne rentre pas dans les règles de convention fiscale ou dans les règles de fiscalité des autres pays. OK, parce que là, ils font référence à les articles 21, 22, mais quand il y a une convention qui embarque, ça change un petit peu, par exemple. Si je me trompe pas. Oui, ben, écoute, c'est un monde en soi, là, c'est bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais pour les fins du cours, on garde ça à sa plus simple expression. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, oui, il y a Laurent Thioux qui lève la main. Alors, tu peux y aller, Laurent Thioux, soit en utilisant l'outil clavardage en bas à gauche, si tu préfères écrire la question, ou en ouvrant ton micro et en me la posant de vive voix, c'est comme tu préfères.
En attendant, si d'autres personnes veulent poser des questions, vous pouvez le faire aussi, lever la main et puis la poser pendant que Laurentiou écrit sa question, j'imagine. Ah, il a ouvert son micro, alors je vous entends bien, Laurentiou. Oui, merci beaucoup. La première question est reliée aux études de cas pour cette semaine. Vous avez dit, oui. Vous venez de dire que l'étude de cas, c'est sur, je pensais que l'étude de cas, c'est sur sport au max incorporé. Vous avez... Exactement. Ah, ok, donc j'ai bien compris. La question suivante est sur le sujet numéro 2 à la page 120. À la page 120. Oui. Mais Laurentiou, juste un petit mot, juste une petite question, juste avant qu'on aille à votre deuxième question. Pourquoi vous posez cette question-là? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui vous a induit en erreur par rapport à l'étude de code cette semaine? Oui, vous avez dit il y a quelques minutes dans votre présentation, l'étude de cas sur Gamelin ou l'autre étude de cas qui se trouve dans le. OK, pardon, oui, vous avez raison. L'étude de cas, c'est vraiment celle Sport au Max incorporé. Dans le site du cours en ligne, le contenu de cette semaine, de la semaine 6, est très clair à cet effet-là. C'est juste que dans l'étude de cas Sport au Max, la personne qui va répondre à vos questions, c'est le dirigeant de Sport au Max, c'est Gaston Gaulin. Mais vous avez raison, je m'excuse pour la confusion. Je vous écoute pour votre deuxième question. C'est correct, merci beaucoup. Dans le livre sujet 2, à la page 122, écrit en bas le numéro 200, coût en capital des acquisitions. Ici est écrit lorsqu'un bien amortissable... Lorsqu'un bien amortissable est acquis auprès d'une personne liée, appelée vendeur lié, des règles particulières s'appliquent. D'une part, lorsque le bien est acquis pour un coût supérieur au coût originalement payé par le vendeur lié. Comment on sait qu'on vend à une personne liée pour un coût supérieur? Comment on sait que le vendeur lié à payer en coût supérieur ou en coût inférieur par la suite par rapport à notre transaction avec le vendeur lié? D'accord. Alors, juste pour vous mettre en contexte, pour répondre à tout le monde, la question de Laurentiou fait référence à la page 200 du volume, la note de bas de page, non, pardon, c'est la page 122 du volume, oui, page 122 du volume, la note de bas de page 200. Mais c'est juste pour, je vais vous répondre, Laurentiou, mais juste pour mettre tout le monde en contexte, c'est pas matière à examen, cette note de bas de page. Dans le sens que ça fait juste dire que il pourrait avoir des règles particulières qui s'appliquent. Puis d'ailleurs, ces règles particulières-là, on les explique même pas tellement elles sont compliquées. Mais pour répondre précisément à votre question, c'est tout simplement que lorsque une personne vend un bien amortissable en faveur d'une autre personne qui lui est liée. Donc, par exemple, je vendrais un bien amortissable à mon frère, à un parent ou des compagnies qui sont liées, transigent un bien amortissable entre elles. Si c'est le cas, il va y avoir des règles particulières qui vont s'appliquer au niveau de l'établissement de la FNAC pour celui qui acquiert le bien amortissable. Et les règles particulières dépendent de est-ce que ce bien-là a été vendu à profit par le vendeur ou à perte. Donc, si le vendeur a vendu le bien au-dessus de son coût, il y a une série de règles qui s'appliquent pour l'acheteur, et alors que si le vendeur a vendu le bien amortissable pour un prix de vente qui est en bas de son coûtant, c'est d'autres règles qui s'appliquent. Mais tout ça pour dire que c'est très complexe et ces fameuses règles-là ne sont pas décrites dans le volume. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est très, très compliqué d'application. Donc, je n'en dis pas plus, puis pour les fins du cours, pour les fins de l'examen, ne vous souciez pas de ça. OK, c'est correct. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Ça me fait plaisir, Laurentiou. N'hésitez pas à lever la main s'il y a d'autres questions. OK, merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? On est rendu à 9 participants. Alors, bienvenue à tout le monde qui venait d'arriver. Donc, comme je disais, là, l'activité du webinaire, il n'y a pas de présentation magistrale préparée de ma part. C'est vraiment, je me mets à votre disponibilité pour répondre à toutes vos questions pendant 90 minutes. Et si vous avez des questions, il vous suffit de lever la main en utilisant la petite main qui se trouve complètement en haut à gauche de votre écran. Donc, en cliquant là-dessus,
Ça indique à tout le monde que vous avez une question et là, à tour de rôle, je peux vous répondre. J'espère que vous avez préparé des questions pour ce soir parce que sinon, la soirée va être longue. Alors oui, Vanessa, je vois que tu as ouvert ton micro, alors je t'écoute. Ah, tu l'as écrit en bas. Donc, je vais désactiver ton micro et je vais lire la question. Vanessa pose la question dans l'outil de clavardage en bas à gauche. Ma question se porte sur le déroulement de l'examen. Est-ce que ce sera sur papier ou sur ordinateur SecureXam? Donc, Vanessa, merci pour votre question. Je vais vous répondre précisément à votre question, mais je vais encore vous donner plus d'informations encore plus précieuses que ça. C'est important que vous compreniez que dans le cadre d'un cours en ligne, par opposition à un cours en classe, j'ai jamais, jamais la chance de vous rencontrer. J'ai jamais la chance de vous parler. J'ai jamais la chance de passer mes messages. J'ai jamais la chance. C'est ça un peu la difficulté dans un cours en ligne. Donc, moi, la façon que j'ai conçu le cours en ligne, c'est que tout l'information que j'ai à vous dire et que je vous dirais de vive voix si je vous voyais dans un cours en classe, toute cette information-là, je l'ai écrite au complet dans le site web du cours en ligne. Donc, chacune des semaines, le fameux site web du cours en ligne qui est séparé par semaine, chacune des semaines comprend toutes les indications, les pensées, les consignes, les trucs que j'ai pour vous. Donc, entre autre, si vous allez voir la semaine d'examen dans le site du cours en ligne, la semaine d'examen, si je ne me trompe pas, c'est la semaine 8. Je vois de mémoire, il me semble que c'est ça. J'ai écrit à cet endroit-là toutes les consignes, les pensées, les stratégies, les trucs que j'ai envie de vous dire relativement à l'examen. Donc, je vous invite vraiment à aller lire ce contenu-là en détail, le contenu du site du cours en ligne dans la semaine 8. Et une des choses que vous allez voir là-dedans, c'est qu'effectivement, les examens ne sont pas réalisés sur SecureXam. Le SecureXam, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un logiciel utilisé par les étudiants en sciences comptables qui permet de faire un examen sur ordinateur. Mais dans le cadre des cours en ligne, on ne peut pas utiliser SecureXam parce que les étudiants, vous êtes répartis dans plusieurs centres d'examen répartis partout dans la province et tous les centres d'examen ne sont pas en mesure d'assurer un support informatique pour SecureXam. Donc, c'est impossible de vous permettre de faire l'examen sur SecureXam. Donc, tout le monde va faire son examen sur un cahier papier conventionnel comme vous êtes habitué de le faire. C'est bon, Vanessa, j'espère que ça répond à votre question. Si ce n'est pas clair ou d'autres questions, n'hésitez pas à me relancer. Alors, on a une autre question qui s'en vient de la part de Jean-François. Alors, la parole est à toi, Jean-François. Juste pour clarifier, pour le travail, c'est vraiment le revenu qu'on ne veut pas, revenu imposable. Bien sûr. Oui, je pourrais que tu me parles. Je regarde. Bon, on va aller voir ensemble dans le. Regardez, je vais vous montrer. Je vais faire un partage d'écran, puis on va aller voir le livre ensemble. Ou finalement, l'étude de cas qui se trouve en annexe, là, ça peut rendre service à des gens. Alors là, si ça fonctionne bien, vous devriez avoir un partage d'écran où vous revoyez votre fameux volume. Donc, je vous montre la table des matières de votre volume et en annexe, donc dans le bas de la table des matières, en annexe, c'est là que sont les études de cas. Donc, celle de cette semaine, c'est l'étude de cas évolutive Sport au max. On a la même table des matières à gauche ici, si on active les signets. Donc, si je clique ici, on arrive effectivement sur l'étude de cas qu'il faut faire cette semaine. Et là, la question de Jean-François, c'est bien le calcul du revenu qu'il faut faire. Donc, si je vais voir l'énoncé et le travail à faire pour la partie 1, donc cette semaine, on fait uniquement la partie 1. Et le travail à faire, vous le voyez comme moi, il est écrit, c'est de calculer le revenu pour la société Sporomax. Donc, l'expression revenu, vous êtes supposé la connaître, c'est défini à plusieurs endroits dans le volume. Donc, on s'en tient à calculer le revenu de la société. Je vous rappelle que le revenu, essentiellement, c'est toutes les composantes de revenus, donc les différentes sources de revenus, revenus d'entreprise, revenus de biens, dans un premier temps, ensuite les gains capital imposables, moins les pertes en capital déductibles dans un deuxième temps, dans un troisième temps, peut-être des déductions, peut-être des pertes. Donc, c'est la fameuse section qui est en bleu. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans le volume,
On le lit dans le volume, je peux peut-être vous montrer les. Je peux peut-être vous montrer, le... il n'y a pas de couleur, là, mais vous rappelez ce tableau-là qui est au début de chacun de vos débuts de sujets. En fiscalité 1, il y avait de la couleur dedans. Là, je remarque que là, il n'y en a pas. Mais le calcul du revenu, c'est vraiment la première composante. Donc, c'est toutes les sources de revenus, y compris les gains en capital imposable et les pertes en capital, les déductions et les pertes. Après, la deuxième étape, c'est le revenu imposable. Et la troisième étape, c'est de calculer l'impôt, puis on ne se rend pas à ces étapes-là de revenu imposable et de calcul de l'impôt. Pour l'instant, on s'en tient au calcul du revenu. Puis dernière chose, tant qu'à vous dire ça, donc cette semaine, on fait la partie 1, vous ne regardez pas la partie 2, on n'a pas à faire la partie 2, on va la faire à la fin de la session, là, dans la semaine qui précède l'examen final. Voilà, Jean-François, j'espère que ça répond à ta question. Merci. Alors, à qui le prochain pose une question? Alors, on a une question posée par Michel. Alors, bonsoir Michel. La question de Michel est posée dans l'outil de clavardage en bas à gauche. Donc, Michel demande, est-ce que les questions d'examen seront semblables à ceux que nous avons eues dans la BQI? Donc, bonne question Michel, je la comprends très bien puis je vais vous répondre. Je répète pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai le goût de le faire. Donc, je vous rappelle que tout ce que j'ai à vous dire concerne dans un cours en ligne, je l'ai écrit dans le site du cours en ligne. Donc, entre autres, dans la semaine 8 du cours en ligne, la semaine où il y a le déroulement de l'examen intra, il y a plein de choses écrites, plein de trucs, entre autres pour bien vous préparer à l'examen intra. Puis, un des trucs qui vous est donné, c'est clairement de faire les problèmes de la BQI en fiscalité. Donc, tranquillement, je réponds à votre question, Michel, sans dire que... Non, je vais vous dire ça autrement, là. Vraiment, de bien travailler les problèmes de la BQI en fiscalité, c'est la meilleure préparation qui soit pour l'examen. En disant ça, je ne suis pas en train de vous dire qu'à l'examen, vous allez retrouver de façon similaire des questions similaires à ceux que vous avez retrouvés dans la BQI en fiscalité. C'est impossible parce que dans un contexte d'examen, les questions doivent nécessairement être plus courtes, plus ciblées. Il y a un délai, il y a un maximum de temps qu'il faut respecter, qui est 3 heures pour l'ensemble de l'examen. Donc, je ne peux pas avoir des questions aussi longues que je peux me permettre d'en avoir dans la BQI en fiscalité. Mais c'est pour ça que ça devient une excellente pratique, c'est parce que vous allez travailler fort sur des problèmes qui sont difficiles, qui intègrent plusieurs notions. Et en passant à travers ces problèmes-là, ben vous allez être vraiment très bien préparé pour l'examen ou vous allez retrouver des questions juste plus simples, juste plus directives, plus aérées. Et c'est là que ça va payer du fait que vous avez bien travaillé le problème de la BQI en fiscalité. Donc, en conclusion, très important de passer beaucoup de temps sur les problèmes de la BQI en fiscalité. Vous allez retrouver des problèmes à l'examen plus simples que ça. Voilà, Michel, j'espère que ça répond à votre question. Alors, on a une nouvelle question de Laurentio. Alors, j'imagine que tu vas... Oui, alors la parole est à toi, je t'écoute. Oui, merci beaucoup. En ce qui concerne la déduction pour amortissement de la catégorie 13, les améliorations locatives, est-ce qu'il y a une limite minimale considérée comme amélioration locative?
comme à partir de dans l'exemple qui se trouve dans le livre, vous avez écrit amélioration locative de 8 000. Mais si on fait par exemple des 5 000 où il y a une limite minimale afin d'être considéré comme amélioration locative de percevoir d'avoir déduction pour amortissement. Oui, je comprends votre question. Il y a pas de limite, il y a pas de limite monétaire, puis ça nous amène à la question plus générale. Quand est-ce qu'une dépense encourue par une entreprise est suffisamment importante et va procurer suffisamment d'avantages futurs à une entreprise pour que cette dépense-là, on la juge capitalisable et conséquemment qu'on la considère comme un bien amortissable en soi et qu'on la classe dans la bonne catégorie, par opposition à une dépense qui serait jugée moins importante, qui va procurer moins d'avantages futurs, qui est plus de nature à revenir d'année en année, dans quel cas on jugerait que les critères de capitalisation ne sont pas rencontrés et on jugerait que cette dépense-là, alors, ne serait pas un bien amortissable en soi, mais plutôt une dépense qu'on passera en déduction dans l'année au complet. Donc, c'est pas facile de trancher ces choses-là. En fiscalité, on a exactement les mêmes conclusions que lorsqu'on dresse les états financiers comptables. Donc, en comptabilité, quand on a décidé qu'une charge allait passer à l'état de résultat au complet sous forme de charge, bien, en fiscalité, on a le même traitement, on déduit la dépense au complet par opposition à un investissement plus important où en comptabilité, on décide de le capitaliser au bilan et de le traiter comme une immobilisation, un actif, et qu'on accorde un amortissement annuel. On peut prendre en charge un amortissement annuel. Bien, en fiscalité, on a un traitement similaire où on va mettre le bien dans une des catégories des biens amortissables et on va l'amortir aussi. Fait que ça ramène à ce débat-là. C'est vrai pour n'importe quelle catégorie de biens que cette question-là se pose, y compris les améliorations locatives. Donc, les améliorations locatives, quand c'est suffisamment important, je dirais, si on parle d'amélioration locative pour finir ma réponse, vous savez ce que c'est. Dans le fond, c'est des améliorations que l'on fait sur un loyer dans lequel on est locataire. Donc, si notre entreprise opère dans une bâtisse, mais que la bâtisse ne nous appartient pas, qu'on est locataire, et que dans le loyer, on fait des constructions assez importantes, structurantes, disons, qui dépassent juste le simple ménage ou des choses comme ça, là, quelque chose de vraiment structurant, suffisamment pour qu'on le capitalise et qu'on le traite comme un bien en soi, c'est là que ça devient une amélioration locative par opposition à nettoyer les murs ou repeinturer un loyer où je pense que là, ça serait pas suffisamment structurant pour qu'on le traite comme un bien amortissable, une amélioration locative, mais plutôt on le traiterait comme une dépense déductible en entier. Donc, c'est plus sur cette logique-là qu'il faut juger si on a une amélioration locative ou non, plutôt que sur un montant de. C'est pas une valeur monétaire qui va nous dicter le bon traitement. Okay, donc, Ça répond à votre question, Laurentio? oui, donc, si j'ai bien compris, on mise sur le jugement professionnel. Oui. Ok, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse. Ça me fait plaisir. Alors, autour de Vanessa maintenant. Alors, Vanessa, je vais aller lire votre question. Vanessa, dans l'outil de clavardage en bas à gauche, pose une question. En ce qui a trait à la restriction sur la perte finale réalisée sur un bâtiment catégorie 1 ou 3, si je comprends bien, la règle du demi-tour ne s'applique pas. J'aimerais savoir la logique en arrière de tout ça. Je comprends pas, Vanessa, le sens. Je comprends votre question, mais je vois pas où vous en allez avec ça. Vous pourrez peut-être m'amener une précision, mais la règle à laquelle vous faites référence, qui est la restriction sur les pertes finales réalisées sur des bâtiments de catégorie 1 ou 3, juste montrer, donnez-moi une note. Je vais juste aller vous montrer le. Ah, puis non, je vous montre le volume tout de suite. Ça, c'est une règle dans le sujet 2, dans la table des matières du sujet 2. La dernière partie, celle que vous avez vue la semaine passée, c'est des règles particulières. Donc, des contextes où il y a des particularités au niveau des biens amortissables. Puis, il y en a 7 contextes. Un des 7, c'était justement celui que vous citez là. C'est une règle qui dit, lorsqu'une entreprise vend à la fois un terrain et à la fois un bâtiment, qui était sur le terrain, quand les deux biens sont vendus en même temps et que dans la pratique, la façon que ça se passe, ça, c'est que
il va y avoir un prix de vente global qui va être négocié entre le vendeur et l'acheteur. Et une fois que le vendeur et l'acheteur s'entendent sur un prix de vente global pour les deux biens, et le terrain et la bâtisse, quand vient le temps de faire le rapport d'impôt ensuite, le rapport d'impôt qui fait état de l'année d'imposition où il y a eu cette vente-là, il faut que le vendeur prenne son prix de vente et qu'il le répartisse. Parce qu'il y a, juridiquement, il y a eu deux biens distincts qui ont été vendus, le terrain et la bâtisse. Donc, le vendeur, il doit prendre son prix de vente global et le distribuer, en mettre une partie comme étant produit de disposition de son terrain et conséquemment calculer les implications fiscales qui découlent de ça, gain ou perte en capital, parce qu'un terrain, ce n'est pas un bien amortissable, et allouer le reste du produit de disposition global sur sa bâtisse. Et là, calculer les implications fiscales qui en découlent. Et la règle dont on se parle en ce moment, c'est que naturellement, le vendeur, si on le laissait faire, il aurait une tendance naturelle à allouer toujours la plus grosse partie possible du prix de vente global à son terrain, parce que sur le terrain, il ferait du gain capital qui est imposable seulement à 50%. Et par conséquent, une très petite partie du produit de disposition serait allouée à la bâtisse. Et possiblement que ça pourrait lui faire faire une perte finale qui est déductible à 100%. Donc, gain en capital imposable seulement à 50% sur le terrain, combiné à une perte finale déductible à 100% sur une bâtisse, ça au niveau fiscal, c'est très avantageux. Même trop avantageux, s'applique, elle va dans le fond redistribuer le produit de disposition entre les deux biens. Donc, c'est une règle. Donc, la règle dont on parle en ce moment, lorsqu'elle s'applique, elle va dans le fond redistribuer le produit de disposition entre les deux biens. Donc, dit autrement, on va refuser la répartition que le vendeur a fait et la loi de l'impôt, avec un petit calcul, va refaire une distribution et allouer un produit de disposition sur terrain et bâtiment pour éviter qu'il y ait cette combinaison-là avantageuse de gain capital imposable sur le terrain combiné à une perte finale sur la bâtisse. Je pourrais en dire plus sur cette règle-là, mais il n'y a rien à voir avec le démito là-dedans. Là. Dans votre question, vous me parlez de la règle que je viens de résumer en quelques minutes, combinée dans votre question à quelque chose qui parle de demi-taux. La règle du demi-taux, c'est d'autres choses. C'est complètement d'autres choses. C'est une règle qui oblige les gens à couper de moitié leur taux d'amortissement sur les biens qu'ils acquièrent dans l'année. Donc, je ne vois pas de lien entre ces deux sujets-là. Mais peut-être que vous pourriez m'amener une précision, puis que peut-être que j'ai mal saisi votre question. Donc, je vous laisse me relancer là-dessus au besoin, Vanessa. Je vais répondre à la question de Stéphanie entre-temps. Alors, Stéphanie, qui a utilisé l'outil de clavardage. Bonsoir, Stéphanie. C'est la première fois que je vous lis. Alors, Stéphanie demande dans l'outil de clavardage, j'aimerais comprendre quelles informations nous sommes capables de sortir quand on a les immobilisations comptables de l'année précédente et celles de l'année en cours pour faire le calcul d'immobilisation fiscale. Exemple, le travail de Sport au Max. Bien, Stéphanie, je peux difficilement vous répondre parce que c'est un élément d'évaluation, l'étude de cas, vous comprenez. Donc, c'est pas moi qui va vous dire... C'est pas moi qui va vous dire exactement comment faire le travail puis comment utiliser les états financiers, mais je vais être gentil quand même. Je vais aller vous donner une petite, juste une petite information tirée du livre. Donc, en ce moment, je vous remonte le volume que vous reconnaissez. Je vais aller vous montrer un petit dessin dans le sujet 2, donc les biens amortissables. Je vais essayer de vous aider, Stéphanie, sans nécessairement répondre directement à votre question. Je vais vous montrer une petite image. Pardon. Au début du sujet 2. Bon, OK. Je suis à la page 121, là, cette petite image-là ici. Qui, dans le fond, c'est une image qui représente les différents éléments qui doivent être ajoutés dans une FNAC ou qui doivent être retranchés d'une FNAC. Vous voyez, l'image que j'ai reproduite, c'est un compte en T, mais ce n'est qu'une image. On peut comprendre les biens amortissables autrement que par un compte en T, mais ça peut aussi être comme ça. Donc, dans le compte en T, j'ai pris une catégorie au hasard, j'aurais pu prendre n'importe laquelle, là j'ai dessiné la catégorie 8 par exemple. Et dans le compte en T, à gauche, on voit qu'est-ce qui augmente la catégorie 8, essentiellement le fait qu'on acquiert des biens de catégorie 8, et à droite, qu'est-ce qui va venir diminuer ma valeur amortissable de mes biens de catégorie 8, donc deux choses.
Entre autres, premièrement, si je vends bien de catégorie 8, bien sûr, je vais sortir un certain montant de la catégorie pour ne plus amortir le bien que j'ai vendu. Et aussi, toutes les DPA annuelles que je prends chaque année, bien évidemment, vont réduire mon montant disponible à l'amortissement. Et où je vais attirer votre attention, là, c'est, malheureusement, là, j'ai pas de couleur, là, mais pour une année donnée, là, parce que ce que cette image-là veut aussi illustrer, c'est qu'une FNAC, ça perdure d'année en année en année. À titre d'exemple, si une entreprise existe depuis 25 ans, bien, ça se peut que la catégorie 8 que vous voyez sous les yeux, si on pouvait la voir au complet, de haut en bas, ça fait longtemps qu'elle existe. Mais nous, quand on se concentre sur une année donnée, comme dans le cas de Sport au Max, on vous demande de calculer le revenu pour 2000X. Donc, entre autres, vous allez avoir besoin de calculer les amortissements, des biens amortissables de Sport au Max seulement pour 2000X. Mais dans ce cas-là, il faut vous concentrer sur, vous voyez à droite, là, la petite bulle en gris, c'est marqué année courante. Il va falloir vous concentrer juste sur les chiffres de cette année. Puis dans le fond, il y a quatre chiffres importants. C'est pas compliqué, il n'y en a pas plus que quatre. Puis ces quatre chiffres-là, vous pouvez les obtenir avec une bonne lecture des états financiers. Donc, je recoupe un peu votre question en vous répondant. Le premier chiffre que vous avez besoin pour chaque catégorie, c'est la FNAC, donc la fraction qui était non amortie, donc le montant qui restait à amortir dans cette catégorie-là à la fin de l'année d'imposition précédente. Donc, on repart du montant qui restait à amortir à la fin de l'année précédente. On ne refait pas tout l'historique jusqu'au début d'existence de l'entreprise. Vous êtes capable d'obtenir ça aux états financiers si vous lisez bien. Deuxième information que vous avez besoin, c'est le coût en capital des acquisitions. Donc, Stéphanie pose la question. Donc, encore là, je ne vous dirai pas comment, mais bien sûr qu'en ayant le coût des immobilisations sur 2 ans dans les états financiers de Sport au Max, vous avez le coût, une photographie des immobilisations prises à la fin de l'année précédente et vous avez une nouvelle photographie des immobilisations prises à la fin de l'année courante. Mais par différence, vous êtes capable de déduire quel mouvement il y a eu dans les immobilisations. Donc, vous êtes capable de trouver les immobilisations ou les biens amortissables qui ont été acquis de cette façon-là. Et vous êtes aussi capable de trouver ceux qui ont été disposés. Donc, le troisième chiffre que ça va vous prendre, c'est les dispositions. Donc, en comparant les immobilisations sur 2 années, vous allez aussi être capable de voir lesquelles ont été disposées. Donc, je vous disais que ça nous prenait 4 informations. FNAC d'ouverture, les acquisitions de l'année, les dispositions de l'année. Plus précisément, le coût des dispositions, donc comment avaient coûté ces biens-là à l'origine avant d'être lorsqu'ils ont été acquis. Donc, ceux qu'on dispose, combien ils avaient coûté au départ et combien on les dispose. C'est quoi leur produit de disposition? Donc, avec ces 4 chiffres-là, vous avez tout ce qu'il faut pour construire vos FNAC de l'année courante. Et ces 4 informations-là, je le répète, vous êtes capable de les obtenir avec une bonne lecture des états financiers. Dernière chose que je vous dirais, Stéphanie, il y a un état financier aussi que les gens ne lisent pas souvent, ça s'appelle l'état de flux de trésorerie. Ça aussi, c'est très parlant. Donc, l'état, il est là, à la page 4 de votre jeu d'état financier. Donc, les flux de trésorerie aussi donnent une indication sur les activités d'investissement et les mouvements d'immobilisation, entre autres. Donc, effectivement, avec une bonne lecture en conclusion des états financiers, Stéphanie, vous êtes capable de faire ressortir tous ces chiffres-là. J'espère avoir bien répondu à votre question indirectement. Merci, puis n'hésitez pas à poser d'autres questions. Alors, Jessica, oui, c'est à votre tour. Vous pouvez utiliser soit votre microphone ou l'outil de clavardage. Alors, Jessica pose une question dans l'outil de clavardage en bas à gauche. Un dividende versé à une société par une SCI crée une inclusion au revenu bien et permet une déduction dans le revenu imposable. Mais si elle est reçue par une société étrangère, est-ce qu'il y a la même déduction? Selon le tableau de la page 110, pour une société qui reçoit un revenu de dividende, il n'y a pas de majoration et on inclut le revenu brut, même pour les dividendes reçus d'une société étrangère. Oui, c'est exactement ça. Exact. Donc, Jessica, tout ce que vous dites est tout à fait vrai. Puis, votre compréhension est très bonne. Puis, quand j'allais vous dire, allez voir dans le volume à la page 110, mais vous l'avez même dit. Donc, si on va voir juste la page 110, effectivement, il y a un beau tableau là qui résume pas mal
comment traiter fiscalement les revenus de dividendes. Donc, je m'en vais. C'était-tu 110? C'était peut-être pas 110, par exemple. La bonne. Donc, dans le sujet 1. Dans le sujet 1, la dernière partie, c'est les éléments affectant le calcul du revenu de bien, donc la partie 6. On parle dans le revenu de bien, quels sont les éléments inclus et quels sont les éléments déductibles. Et là, il y a trois sources de revenus de bien pour les fins du cours, revenu d'intérêt, revenu de dividende, revenu de location. Donc, c'est plutôt la page 90. Le fameux tableau que je voulais vous montrer, il est ici. Donc, ce tableau-là, à la page 91 de votre volume, vous comprenez qu'il y a deux lignes, deux colonnes. Donc, ça résume vraiment comment on impose les revenus de dividende. Donc, regardez en haut, les deux colonnes dépendent de qui a reçu le revenu de dividende. Donc, le traitement n'est pas le même si un être humain, un particulier, reçoit 100 pièces de dividende par opposition à une société qui encaisserait 100 $ de dividende. Et à gauche, on a deux lignes. Qui a versé le dividende? Est-ce que c'est une société canadienne ou une société étrangère? Donc, vous voyez, deux lignes, deux colonnes, il y a comme quatre carreaux, d'accord? Bien, le premier carreau, ce que les étudiants souvent font comme erreur, c'est qu'ils appliquent la majoration des dividendes tout le temps, alors que la majoration des dividendes, elle s'applique dans le fond un carreau sur quatre. Le seul cas où on majore des dividendes, c'est s'il est à la fois reçu par un particulier et à la fois versé par une société canadienne. Là, le particulier qui a reçu 100 $ de dividendes s'imposerait sur 116 ou 138 $. Là, il devrait appliquer une majoration, dépendamment s'il s'agit d'un dividende déterminé ou autre que déterminé. Mais dans les trois autres cas, il n'y a pas de majoration de dividendes. Donc, vous voyez dans la partie grise, donc c'est toujours traité de la même façon. La société va encaisser le montant de 100 $ et s'imposer sur un montant de 100 $ dans son rapport d'impôt sans aucune majoration. Et pour les fins du présent de cette semaine, ça suffit, ça arrête là, parce qu'on fait seulement le calcul du revenu cette semaine dans Sport au Max. Donc, il n'y a pas besoin de parler du calcul du revenu imposable puis du calcul de l'impôt. Mais pour le calcul du revenu, c'est 100 $ on impose le dividende tel qu'encaissé dans les trois autres scénarios. Donc, ça peut être utile peut-être de mettre ce tableau-là sur votre feuille-là, sur votre feuille d'annotation à l'examen. Ça résume pas mal bien les choses. Alors, c'est Jessica, oui, j'espère avoir répondu à votre question, sinon n'hésitez pas à revenir. Oui, Jean-François, la parole est à toi. La dernière explication, si on va déterminer ou indéterminer, ce n'est pas pertinent pour l'étude de cas. Ben, je ne vais pas répondre à ta question, mais en apprenant le tableau que je t'ai montré là, tu peux pas te tromper dans le traitement à appliquer. Tu comprends, Jean-François, c'est un élément d'évaluation en ce moment, l'étude de cas, fait que je ne validerai pas ta réponse, mais... Je pense qu'en regardant le tableau, tu as tout ce qu'il faut pour appliquer le bon traitement. Excellent, merci. Merci à toi.
Alors, on a une question de la part de Jessica. Donc, Jessica pose une question dans l'outil de clavardage en bas à gauche. Juste pour être certaine, on inclut le revenu brut, incluant la partie d'impôt étrangère retenue à la source pour un dividende reçu d'une société étrangère. Si oui, c'est avec le crédit d'impôt pour impôt étranger qu'il va y avoir compensation. Si tu ne peux pas répondre, je comprends. T'en plein ça, Jessica. Tout ce que tu dis est tout à fait vrai. Donc, tu dis deux choses, puis les deux sont vraies. Donc, premièrement, rappelez-vous, en fiscalité 1, un des premiers sujets qu'on a étudié, c'était l'assujettissement qui disait que lorsqu'on est résident canadien, on doit s'imposer sur nos revenus mondiaux. Donc, peu importe où dans le monde on a gagné, on a réalisé un revenu, c'est dans le rapport d'impôt canadien qu'on doit imposer ces montants-là. Donc, c'est vrai pour les. C'est vrai. Donc, ça, c'est la règle qui vise les résidents canadiens. Résident canadien, c'est autant un être humain qu'une société. Donc, quand une société, on la juge quand elle est résidente du Canada, cette logique-là s'applique à elle. Donc, pour revenir à ce que vous dites, Jessica, ben, de ce fait-là, quand on a une société comme Sporomax qui est résidente du Canada, ben, on doit inclure dans son revenu tous les revenus qu'elle a fait partout dans le monde. Et là, on parle de revenus bruts, là, vraiment, et non pas amoindris par de l'impôt qui aurait été payé dans l'autre pays. Donc, on impose effectivement tous les revenus bruts qu'elle aurait fait avant les retenues d'impôt dans les autres pays. Et dans un deuxième temps, ça peut sembler bizarre de dire ça parce qu'on se ramasse dans une potentielle situation de double imposition où le même revenu a déjà été imposé dans l'autre pays avec une imposition à la source. Puis, on l'impose une deuxième fois quand on fait cette fameuse inscription-là dans le rapport d'impôt au Canada. Donc, évidemment, exactement pour, justement, comme vous le dites, pour éviter cette double imposition-là, il va y avoir un crédit d'impôt plus bas dans le rapport d'impôt, là, quand on va être rendu à la section des crédits d'impôt, qui va éviter cette double imposition-là, qui va agir comme une de compensation, comme vous l'avez écrit. Merci à vous, Jessica. Autour de Vanessa, alors... Vanessa, oui, la question vient de tomber dans l'outil de clavardage. Pour revenir à la particularité terrain-bâtiment, pour éviter que la répartition des prix de disposition soit refusée, ce serait de prendre le montant de la FNAC précédente du bâtiment comme prix de disposition. FNAC précédente du bâtiment comme prix de disposition. Ainsi, on n'aura pas de perte. Est-ce qu'un gain sur bâtiment et gains sur terrain en même temps lors de cette transaction est susceptible d'être refusé. Donc, vous avez raison, Vanessa, tout ce que vous dites, c'est vrai. C'est bien écrit dans le volume, là, si vous allez voir les conditions d'application de cette règle-là. Cette règle-là, elle s'applique uniquement dans la combinaison dont je parlais tout à l'heure. Le fait que quelqu'un répartisse son prix de vente global sur deux biens dont on parlait tantôt, et qu'à la fois, c'est ça là, les mots-clés, là, puis c'est écrit dans le volume, il fait à la fois gain capital imposable sur terrain combiné à une perte finale sur la bâtisse. C'est uniquement cette combinaison-là qui est jugée non légitime et que la règle fiscale va venir corriger. Donc, toute autre combinaison, toute autre finalité n'appliquera pas le déclenchement de cette règle-là. Donc, si par exemple vous faites un gain capital sur le terrain combiné à une récupération d'amortissement et ou un gain capital sur le terrain, la règle ne s'appliquera pas, puis on ne vous demandera pas de redistribuer vos produits de disposition. Donc, vraiment, là, c'est exclusivement quand on se ramasse dans une situation comme je l'ai décrit tout à l'heure. Et là, notre idée, c'est de dire, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas répartir tout de suite le produit de disposition entre les deux biens pour faire en sorte, justement, de ne pas faire de lien capital imposable sur le terrain combiné avec une perte finale sur la bâtisse, et ainsi, on éviterait la règle. Vous avez raison. Mais dans les deux cas, on arrive à la même finalité. Soit vous faites votre répartition vous-même pour éviter cette situation-là, ou si vous ne faites pas cette répartition-là vous-même comme il se doit, la loi de l'impôt va la faire à votre place, cette répartition-là. Donc, on arrive dans les deux cas à la même finalité, que vous le fassiez volontairement ou que ça vous soit imposé par l'application de la règle. On va tout le temps arriver avec une finalité où on va perdre cette combinaison-là. Il n'y aura jamais en finalité de gain capital imposable sur un terrain combiné avec une perte finale sur la bâtisse. Voilà, Vanessa, merci pour votre question. J'imagine que ça éclaire aussi d'autres personnes.
Alors, oui, Laurentiou, la parole est à vous. Pouvez activer votre micro si vous voulez poser votre question de vive voix. Désolé, c'est correct maintenant? Oui, c'est correct, Vous je vous entends m'entendez? bien. Ok, merci beaucoup. Désolé pour cette petite situation. Ma question est reliée au contrat de location financement dans le sujet numéro 2. Dans le livret, il est écrit que les contrats de location financement ne sont pas considérés comme des biens amortissables selon les règles fiscales applicables. Et par la suite, il est écrit qu'il faut faire un ajustement afin d'annuler l'effet de la charge d'amortissement, d'annuler l'effet de la charge d'intérêt et afin de déduire les dépenses de loyer encourues. Qu'est-ce que vous dites par rapport aux ajustements afin d'annuler? Comment on traduit en écriture, en... Qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à cette situation? Ajustement, cela veut dire une conciliation. Oui. OK. Afin Alors, d'arriver. oui, je vais aller vous montrer dans le volume à quoi on fait référence. Je comprends très bien votre question, Laurentiou. Alors, dans le sujet 2, c'est au niveau du coût. Oui, c'est au niveau des coûts des acquisitions. Donc, on est à la page 123 du volume, au niveau des biens amortissables. C'était ça que la question, page 123, oui. C'était ça que sur laquelle la question de votre collègue portait. Juste, je vous explique ça en 3 minutes, là, faire une histoire courte. En comptabilité, et non pas en fiscalité, mais en comptabilité, les comptables ont des objectifs différents de la fiscalité, puis parfois, les comptables, ils inventent des choses qui n'existent pas. Par exemple, un contrat de location financement. Donc ça, c'est une expression utilisée par les comptables. Qu'est-ce que c'est ça, un contrat de location financement? C'est lorsqu'une entreprise vraiment signe un contrat de location en bonne et due forme. Donc, si moi, je suis une entreprise, par exemple, et je veux aller louer un photocopieur, ben, je rentre dans un magasin qui loue des photocopieurs, puis comme locataire, je signe un contrat pour louer un photocopieur. D'accord? Mais là, en comptabilité, on applique une série de critères et il arrive parfois que malgré le fait qu'on n'ait pas acheté le photocopieur, la décision d'affaires a vraiment été de le louer, mais il arrive que les comptables disent, on va faire semblant que tu l'as acheté. Donc, c'est ça un contrat de location financement, c'est que dans les états financiers, on va faire fi de la réalité juridique, qui est une location, et on va faire semblant que je l'ai acheté. Donc, d'une part, les comptables vont mettre un faux photocopieur dans mes actifs. Pour être cohérent, les comptables vont mettre. Attends un petit peu ici, je vais plutôt. Pour être cohérent, les comptables vont mettre une fausse dette aussi dans mon passif. Donc, si j'ai fait semblant d'acheter un faux photocopieur, il faut que j'aie fait semblant aussi d'avoir contracté une dette. Fait qu'il va y avoir aussi une fausse dette dans mon passif. Là, il faut être cohérent avec nos mensonges quand on est comptable. Donc, là, sur le faux actif, ils vont prendre une fausse charge d'amortissement. Puis sur le faux passif, ils vont faire semblant qu'il y a des faux paiements. Puis sur les faux paiements, ils vont faire semblant qu'il y a des fausses charges d'intérêt. Ben, en tout cas, donc là, vous comprenez, là, dans les états financiers, on laisse des traces partout avec une fiction, comme si on avait acheté le photocopieur, contracté une dette, et que là, on amortissait le photocopieur, puis qu'on remboursait la dette avec de l'intérêt. Il y a tout ça qui contamine, si on veut, l'état des résultats comptables. En fiscalité, maintenant, c'est très simple. Le législateur n'achète pas cette prise de position-là. En fiscalité, on dit, il n'y a aucune raison qu'on dénature la relation juridique. Donc, si quelqu'un a décidé de louer un photocopieur, ben, c'est sa décision, puis au niveau fiscal, on va respecter ça. Donc, on va lui permettre de déduire son paiement de loyer sans plus. Ben, maintenant que je vous dis ça, vous rendez-vous compte à quel point le traitement comptable est différent du traitement fiscal. Et conséquemment, quand on dit qu'une transaction amène un traitement comptable très différent du traitement fiscal, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'ajustements à faire dans la conciliation. Rappelez-vous que la méthode qu'on doit utiliser obligatoirement pour trouver un revenu d'entreprise fiscal, c'est de partir du bénéfice comptable. Bien, dans le cas précis-là dont je viens de vous parler, prenez votre bénéfice comptable. Allez voir toutes les
fausseté qu'il y a dans ce chiffre-là ou les transactions qui ont affecté le bénéfice comptable qui, en fiscalité, ne doivent pas être retenues dues à la fiction des contrats de location-financement. Il y en a deux. Il y a eu un faux amortissement qui a été pris sur le faux photocopieur. Donc, dans la conciliation, il faut faire un ajustement, un plus, pour refuser cet amortissement-là. Dans un deuxième temps, il y a une fausse charge d'intérêt qui a été prise aussi sur une fausse dette, sur un faux photocopieur. Donc, il faut aller enlever aussi, faire un ajustement pour cette charge-là, faire un plus dans la conciliation. Et dans un troisième temps, il manque quelque chose dans le bénéfice comptable, c'est-à-dire que le paiement de loyer, qui lui est pleinement déductible, en comptabilité, on ne l'a jamais considéré. Donc ça va être mon troisième ajustement que je devrais venir apporter. Donc c'est ça ici qu'on retrouve je termine avec ça, à la page 123. Donc dans la conciliation, il va falloir annuler la charge d'amortissement qui a été prise par les comptables, donc faire un ajustement en plus. Annuler la charge d'intérêt qui a été prise de façon fictive en comptabilité. Et il va falloir, en un troisième temps, prendre une déduction pour la dépense de loyer qui, elle, est admise au niveau fiscal. Donc, avec ces trois ajustements-là, on transforme finalement, ou on annule les fictions que les comptables ont fait avec les contrats de la carte de financement. Et les deux premiers ajustements servent ici à annuler le traitement des fictions qui ont été appliquées par les comptables. Et le dernier ajustement sert à nous accorder en fiscalité la déduction qui nous est permise, c'est-à-dire le loyer réellement payé. Est-ce que ça répond à votre question, M. Laurentiou? Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. N'hésitez pas à revenir pour d'autres questions. Vanessa a une nouvelle question qui va bientôt nous tomber dans l'outil de clavardage. Voilà, j'avais deviné. Alors, Vanessa dit dans l'outil de clavardage, pour la disposition involontaire, incendie, etc., si je comprends bien, les entreprises qui ont une fin d'année autre que le 31 décembre ont plus de temps pour s'acheter le nouveau bien. L'exemple du livre était fin juin, donc juin à décembre plus 2 ans. Donc, quelques mois sont à leur avantage. Ben, Vanessa, vous comprenez très bien la règle. Tout ce que vous dites, ça prouve que vous comprenez la règle là, des dispositions involontaires. Mais je ne suis pas prêt à dire, je suis pas d'accord hein, avec votre conclusion. Peu importe quand elle se place votre fin d'année, vous ne réussirez pas à tirer un avantage de cette règle-là ou pas. Cette règle-là donne plus de temps à certaines entreprises, mais ce n'est pas leur date de fin d'année qui est vraiment le facteur. C'est plutôt la date de votre incendie. Si vous avez, par exemple, peu importe elle est quand votre fin d'année, si par exemple votre fin d'année est au 31 décembre, puis vous avez un incendie le 29 décembre, bien, vous, malheureusement, vous aurez pas beaucoup de temps pour vous acheter un bien de remplacement, pas beaucoup en guillemets, parce que la règle dit, si tu as un incendie le 29 décembre, tu te rends jusqu'à ta fin d'année, donc 31 décembre, c'est 2 jours plus tard, plus 2 ans complets. Donc, pour cette entreprise-là, elle aurait 2 jours plus 2 ans pour s'acheter un nouveau bien. Par opposition à une autre entreprise qui aurait la même fin d'année au 31 décembre, mais qui, elle, a un incendie le 15 janvier. Donc, vous devinez qu'avec un incendie le 15 janvier, pour elle, la mécanique de délai lui donne jusqu'au 31 décembre de l'année, plus 2 ans complets. Vous comprenez que pour cette même entreprise-là, qui a un incendie plus tôt dans l'année, c'est presque 3 ans complets qu'elle aurait pour s'acheter un bien de remplacement. Donc, je pense qu'il y a certaines entreprises avantagées, d'autres moins avantagées avec cette règle-là, mais c'est beaucoup plus fondé sur le moment de l'incendie dans l'année plutôt que fondé sur votre choix de fin d'année. Si je reprends votre exemple, vous allez bien vous mettre une fin d'année n'importe quand dans l'année, autre que le 31 décembre, ça reste que si votre incendie tombe quelques jours avant votre fin d'année, vous allez avoir très peu de jours pour vous rendre à votre fin d'année plus 2 ans complets. Donc, ça ne changera rien qu'on ait une fin d'année autre que le 31 décembre, je pense. Vous devoir, Vanessa, si vous êtes d'accord ou si vous voulez peut-être me relancer sur cette question-là. Sinon, je vais aller à la question de Benoît. Donc, bonsoir Benoît, je pense que c'est la première question que vous posez. Alors, Benoît, dans l'outil de clavardage, demande si j'achète une maison et j'ai un locataire dans une partie de la maison, est-ce que les intérêts payés sur l'hypothèque pourraient être déductibles à l'encontre du revenu de loyer? Oui. Donc, lorsqu'on a
Je vais répondre plus largement, mais la réponse que Benoît, la question que vous posez, Benoît, la réponse, c'est oui. Si on prend deux exemples là, opposés, si par exemple j'ai une maison que j'achète puis que je ne la loue pas, je fais juste l'habiter personnellement avec ma famille, bien, vous comprenez qu'il n'y a aucune des dépenses reliées à ma maison, ni l'entretien, ni l'intérêt sur l'hypothèque, il n'y a aucune dépense qui est déductible parce que ma maison n'est pas utilisée pour gagner du revenu. À l'autre bout du spectre, imaginez que vous achetez une maison et que vous ne l'habitez pas, puis que vous faites juste la louer à des locataires. Bien là, c'est le contraire, tout est déductible. Donc, toutes les dépenses encouru pour cette maison-là, entretien, ménage, les intérêts sur emprunt, devient déductible au complet. Et là, il y a l'entre-deux. Une maison, par exemple, que vous habiteriez, je ne sais pas moi, un quart de la maison, puis que vous louez trois quarts, bien, la règle que j'ai illustrée s'appliquerait en partie. Donc, sur un quart de la maison, toutes les dépenses seraient non déductibles, parce que c'est le quart que vous habitez. Et sur l'autre, trois quarts de la maison, celui qui est locatif, pourriez déduire trois quarts des dépenses de la maison, relativement à la portion locative. Bon, j'espère que ça répond à votre question, Benoît. N'hésitez pas à me relancer si vous voulez des précisions. Jessica a une nouvelle question qui vient de tomber dans l'outil de clavardage. Alors, Jessica demande en bas à gauche, dans l'état des résultats, d'après ce que je comprends au niveau comptable, le gain sur disposition d'une immobilisation est calculé comme suit. Produit de disposition moins coût non amorti. Pourquoi ce n'est pas le coût d'achat qui est utilisé à la place du coût amorti comme non amorti pour calculer le gain capital imposable? Bien, Jessica, vous, dans votre question, vous répondez à votre question. Donc, votre question commence par dans l'état des résultats. Donc, déjà, quand on consulte l'état des résultats comptables, toutes les façons toutes les façons de dresser les états financiers, de calculer des gains ou des pertes, ce n'est pas en respect des règles fiscales. Quand on dresse des états financiers comptables, on a des règles comptables à respecter qui sont complètement différentes des règles fiscales. Donc, quand vous lisez des états financiers, là, essayez pas de les informations que vous lisez là, ce ne sont pas des informations fiscales. Donc, pour répondre précisément à votre question, les comptables, eux, ont leur propre façon de calculer des gains sur disposition d'immobilisation. Peu importe comment ils le font, ça m'importe un peu. Je sais qu'en fiscalité, c'est pas comme ça que ça doit être fait. Donc, c'est pour ça que dans l'exercice de la conciliation, encore une fois, qui sert à transformer le bénéfice obtenu selon les règles comptables en un revenu d'entreprise fiscale qui, lui, respecte mes règles fiscales, mais dans ma conciliation, je vais refuser au complet le poste d'état des résultats qui s'appelle gain sur disposition d'immobilisation. Peu importe comment il a été calculé, je m'en fous. Je vais le refuser de toute façon dans la conciliation. Et je vais remplacer ce calcul-là que je viens de refuser dans la conciliation par le bon calcul de gain capital. Et effectivement, un bon calcul de gain capital imposable, c'est produit disposition moins coût fois 50%. Donc, on va faire ce calcul-là dans un deuxième temps et on va le mettre au bon endroit dans la déclaration de revenus. Donc, c'est vrai pour plein de choses. On pourrait prendre des charges à l'état des résultats qui sont complètement différent d'une dépense qui est déductible en fiscalité. Donc, c'est la raison du pourquoi on fait une conciliation entre le bénéfice comptable et le revenu d'entreprise fiscale. Puis, je termine mon explication avec ça, Jessica. S'il fallait que les comptables dressent leur état financier exactement en respect de toutes les règles fiscales, bon, on n'aurait pas besoin de faire de conciliation. Il nous suffirait de prendre le bénéfice comptable et on dirait il est égal à ce que doit être le revenu d'entreprise fiscale, puisque toutes les règles utilisées par les comptables sont les mêmes que celles qu'on doit utiliser en fiscalité. Donc, c'est pas ça la réalité. Les règles comptables sont la plupart du temps très différentes de celles qui doivent être appliquées en fiscalité. Merci pour, juste en sous-question, Jessica demande, c'était pour être certaine de bien comprendre ce que représentaient les chiffres de l'état des résultats pour cette catégorie. Bon, espérons, j'ai peut-être répondu plus largement que vous le souhaitiez, mais donc, tant mieux si ça a répondu à votre question. Sam!
Oui, Jean-François, la parole est à toi. Oui, pour le travail Sport au Max, la notion d'avance à l'actionnaire, quand est-ce que l'avance a été faite? Donc, si on va voir au bilan de la compagnie Sport au Max, le bilan qu'on retrouve à la page... À la page 5 des états financiers. Donc, si on va voir au passif, à la page 5 des états financiers, effectivement, l'actionnaire a fait un prêt d'argent à la société. Ça date du... l'année passée, c'était 9203. C'est passé à 7913 en 2000X. La date, c'était... ça date d'avant 2000 WW. Là. Je peux te donner une date si tu veux, là, mais ça date d'un bon bout de temps. Tu veux une date avec précision? Non, ça va. Jean-François? Non, ça va. OK. Good. Merci pour ta question. Oui, Jessica. Alors, Jessica pose une question dans le petit clavardage en bas à gauche. Alors, la question, c'est un dividende qu'une société verse à son actionnaire n'est pas déductible dans le calcul du revenu d'entreprise fiscale. Seulement les salaires sont déductibles, si je comprends bien. C'est exact. Donc, une société, elle a deux façons, deux conduits pour sortir de l'argent, finalement, ou verser de l'argent à son actionnaire, soit le salaire ou le dividende, puis il y a quelques différences dans le traitement fiscal, donc celui que vous dites. Donc, pour la société, un versement de dividende, c'est pas une dépense d'opération, c'est vraiment une distribution de ses bénéfices non répartis. Donc, un versement de dividende pour la société qui le fait, c'est pas déductible à aucun endroit dans le rapport d'impôt. Alors que le versement d'un salaire à l'actionnaire, ça, c'est pour c'est de la rémunération pour du travail effectué. Et ça, c'est déductible comme n'importe quelle rémunération versée à n'importe quel salarié. Merci pour votre question, Jessica. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'il nous reste 20 minutes, alors ça passe vite. Ça passe vite et ça se passe bien. Donc, si vous voulez avoir le temps de poser vos questions, c'est le temps de le faire. Alors, j'ai une nouvelle question de Jessica. Alors, Jessica demande dans le petit clavardage, dans l'étude de cas, dans les frais d'exploitation, les frais transactionnels, carte de crédit, contiennent seulement les frais de l'institution financière pour l'utilisation de carte de crédit ou certaines dépenses incluses? Non, effectivement, Jessica, c'est une bonne question qu'on peut très bien poser aux clients, là, parce que des fois, c'est pas clair qu'est-ce qu'il a comptabilisé dans certains postes. Mais effectivement, votre première interprétation est la bonne. Là. Donc, les frais transactionnels, carte de crédit, là, qui montent à 5870. On est dans les renseignements supplémentaires à la page 8 des états financiers. 5870, c'est uniquement, donc à chaque fois que les clients
font un paiement à la caisse du magasin avec une carte de crédit, il y a un frais de transaction que les compagnies de carte de crédit chargent à l'entreprise, au magasin. Donc, c'est ça qui s'élève à 5 870. Merci, Jessica. Benoît, maintenant, une question. Benoît, dans le petit clavardage, nous demande, est-ce que les règles qu'on voit sont les mêmes au provincial et au fédéral? Oui puis non. Je vais juste répondre pour répondre précisément à votre question, là, puis vous donner le maximum d'informations. Donc, dans votre volume, toutes les règles qui sont dictées, ce sont uniquement les règles fédérales. Donc les cours de fiscalité à l'université portent exclusivement sur les règles fédérales. Donc, on ne traite pas des règles applicables dans un rapport d'impôt que l'on fait pour la province de Québec. Bon, pour différentes raisons, là, je pourrais vous en parler plus longuement si vous souhaitez. Mais ceci étant dit, souvent, elles sont très semblables, souvent. Donc, quand on fait des cours à l'université puis qu'on apprend les règles en vigueur au fédéral, on n'a pas beaucoup de surprises quand on fait un rapport d'impôt provincial là, pour la province de Québec. La plupart des règles sont les mêmes. Puis, pour quelques règles où c'est différent, bien, on les apprend très vite, ces différences-là, en travaillant. Et voilà, Benoît. On vous enseigne les règles fédérales, mais par le fait même, vous apprenez pas mal les règles provinciales, pour résumer. Ça fait plaisir, Benoît. Alors, Jessica, une nouvelle question. Alors, Jessica demande, dans l'étude de cas, le matériel roulant de 40 834, nouveau en 2000X, représente quoi exactement? Donc, c'est l'achat d'une seule voiture. Je ne sais pas si la collègue de classe tout à l'heure qui a posé la question sur celle qui avait la difficulté à interpréter les états financiers et à comprendre les acquisitions. C'était Stéphanie, je crois, hein? Mais Stéphanie a quitté malheureusement. Mais votre lecture est bonne, Jessica. Donc, si on prend les états financiers, donc l'étude de cas, dans les notes complémentaires, entre autres à la page 7 des états financiers là, de Sport au Max, ben, comme je disais, on voit quand je parlais d'une photographie des immobilisations, c'est parce que vous savez, un bilan, c'est l'état des actifs détenus par une société à une date donnée. C'est comme si on prenait une photographie de ce qu'une compagnie détient à une date donnée. Donc, quand on prend une photographie au 31 décembre 2000 ben, on voit les immobilisations qui étaient détenues à la fin de l'année passée, c'est-à-dire bâtiments, équipement, amélioration locative, avec des quittants qui étaient en vigueur à ce moment-là. Et si on reprend la même photo un an plus tard, au 31 décembre 2000X, là, sur la photo, tout d'un coup, il y a pas mal plus d'affaires. Évidemment que ce qui explique la variation, ce sont des acquisitions. Et comme de fait, à titre d'exemple, le matériel roulant, il n'était pas présent sur la photo de l'année précédente, il est présent sur la photographie de l'année courante. C'est donc dire, si vous avez raison, Jessica, de conclure qu'on l'a acquis cette année, 4834. Et je vous confirme que c'est l'achat d'une seule voiture. Donc, Sport au Max avait besoin d'une voiture qu'elle utilise pour les besoins de son entreprise. Puis, c'est ça, l'auto a coûté 40 000 pièces, 40 834. C'est bon, j'espère que ça répond à votre question, Jessica.
Alors, je pense que Michel a posé une question dans le petit clavardage. Michel, je vous rappelle d'utiliser de peser sur la petite main en haut à gauche quand vous voulez poser une question. Ça m'envoie un signal sonore, là, sinon je risque de ne pas l'avoir passé dans le petit clavardage. Mais là, je l'ai vu. Alors, Michel demande, est-ce que les améliorations locatives peuvent être déduites seulement sur un bâtiment? Car je vois qu'il y a un montant dans les IMO avec le bâtiment et aussi avec l'équipement. Oui, je comprends votre question, Michel. Dans l'étude de cas, oui, j'avais compris. C'est lié à votre question. Ça peut paraître bizarre, là, mais dans le cas de l'étude, je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi on a ça dans l'étude de cas? C'est parce qu'on a un bâtiment dans lequel on sert l'inventaire et des choses comme ça. Et les bureaux administratifs ne sont pas dans ce bâtiment-là. Donc, les bureaux administratifs sont dans un loyer. Donc, à la fois, cette entreprise-là, elle a une bâtisse dont elle est propriétaire, puis à la fois, cette entreprise-là est aussi hébergée, si on veut, dans un. Les bureaux administratifs ne sont pas dans la bâtisse qu'elle détient, mais plutôt dans un immeuble qui est loué. Et les améliorations locatives ont eu lieu dans cette partie-là qui est louée. C'est pour ça que ça peut paraître bizarre d'avoir à la fois des améliorations locatives et à la fois la propriété d'un bâtiment, mais ça s'explique de cette façon-là. Donc, j'espère que ça répond à votre question, cher Michel. Alors, il me reste 10 dernières minutes. Jessica? Jessica, une nouvelle question dans le petit clavardage. Toujours dans l'étude de cas, il y a une nouvelle amélioration locative de 3 000 $ en 2000X. Le bail était bien de 8 ans. Ben, tout ce que vous me dites là, Jessica, là, c'est de l'information qui a été donnée sur. Quand vous dites il y a une amélioration locative de 3 000 $, puis vous me dites le bail, vous me demandez de valider une réponse qui a déjà été donnée sur le forum de discussion Wikifist. Donc, effectivement, c'est toujours vrai. Avec une option de renouvellement de 5 ans, puis-je aussi avoir de l'information sur l'amélioration locative d'avant? Mais je me demande quelle information vous voulez avoir sur l'amélioration locative d'avant. Comme je pourrais vous dire, Jessica, que l'entreprise, ça fait 25 ans qu'elle existe. Ça fait 25 ans que parfois elle acquiert des améliorations locatives, elle les amortit, elle vient au bout de les amortir complètement, elle achète des nouvelles améliorations locatives ou elle fait des nouvelles améliorations locatives, elle les amortit juste avant qu'elle soit complètement amortie. Puis cette année, on a acheté une nouvelle. Donc, dans le fond, on a tout un historique de biens qui sont entrés et sortis dans la catégorie 13. Je peux bien vous parler de l'historique, ça vous intéresse, mais je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, le petit conseil que je vous ai donné tout à l'heure quand je répondais à Stéphanie. Je vous ai montré dans le volume le compte en T en vous disant, laissez faire ce qui s'est passé avant. Là. Pour votre année courante, ce qui est important, c'est de partir de votre fenêtre d'ouverture et de vous concentrer sur vos acquisitions de l'année et vos dispositions de l'année. Donc, sinon, je ne saurais pas quoi vous dire par rapport aux améliorations locatives des années passées. Là. Je peux vous inventer n'importe quelle histoire, mais effectivement, je ne pense pas que ce soit pertinent.
Alors, Jean-François, je vous écoute. Dans la Oui, j'entends bien. Excuse-moi, peux-tu répéter la question? J'ai mal compris. Il y a des emplois qui avaient été faits, parce que les emplois avaient été faits dans le but de faire des placements. C'est pas vraiment. Relativement à Sport Roma, il y a des emprunts qui ont été faits, c'est ça que tu dis? Il y a un remboursement sur emprunt, c'est un remboursement sur les emprunts qui avaient été faits. Oui, d'ailleurs, puis on peut aussi le voir dans le bilan. Si on regarde le bilan de Sport Roma, c'est à la page 5 des états financiers, dans le passif, on remarque qu'il y a des dettes. Donc, il y a une dette à long terme que l'entreprise a contracté, puis cet argent-là que la compagnie Sportmax a emprunté, c'était juste pour faire fonctionner son magasin. Elle a pris cet emprunt-là, puis elle s'en sert pour faire fonctionner le magasin, l'entreprise. Parfait, merci. C'est plaisir. Alors, l'activité tire à sa fin. De toute façon, vous semblez avoir un peu moins de questions. Alors, écoutez, ça a été bien plaisant de pouvoir répondre à vos questions. Ça s'est fait de façon dynamique. Vos questions étaient très pertinentes, donc ça aura assurément valu la peine qu'on ait ces échanges-là ensemble. Avant de vous laisser, je vais juste vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par rapport au cours en ligne de Fiscalité 2, là, que moi j'anime, je ne peux pas parler pour les autres cours en ligne, mais pour le mien. Je vous dis que j'ai jamais la chance de vous parler en classe, j'ai jamais la chance d'échanger avec vous, donc je fais vraiment un effort pour écrire, de communiquer tout ce que j'ai à vous communiquer par écrit dans le site du cours en ligne. Donc, si vous le faites déjà, tant mieux, mais je vous encourage vraiment à lire attentivement tout ce qui est écrit dans le fameux site du cours en ligne qui est séparé par semaine, dans chacune des semaines de cours. C'est moi qui écris ça, hein, c'est pas personne d'autre. Puis quand je vous écris ces choses-là, j'en passe parce que si je vous avais de voix devant en personne devant moi, c'est ça que j'aurais envie de vous dire. Donc, entre autres, cette semaine, par rapport à l'étude de cas à remettre, les modalités de remise, les dates limites, tout ça, le fonctionnement de l'étude de cas, tout est expliqué en détail, donc prenez la peine de l'écrire. La semaine d'examen aussi, je vous invite à aller lire comme il faut tout ce que j'avais à vous dire concernant la préparation de l'examen, donc dans la semaine 8 du cours en ligne. Finalement, je vais juste vous montrer une dernière chose avant de vous laisser aller. Toujours dans le fameux site du cours en ligne, vous le reconnaissez, votre fameux site ici, votre page d'accueil. Ici, donc, joindre le professeur. Donc, si vous cliquez ici, vous avez les différentes façons de me rejoindre. Donc, aujourd'hui, on a passé 90 minutes à discuter, mais sachez que je peux toujours répondre à vos questions, soit en personne, soit de vive voix.
Donc, je vous donne les différentes façons de me rejoindre. Donc, si vous êtes de passage sur le campus de Trois-Rivières, vous pouvez très bien venir me voir à mon bureau sans rendez-vous. Ma porte est toujours ouverte, vous êtes les bienvenus, puis je vais pouvoir répondre à vos différentes questions. Si vous désirez ne pas vous déplacer, vous pouvez le faire par téléphone, même chose. Pas besoin de prendre rendez-vous avec moi, vous m'appelez, c'est la priorité pour moi de répondre à vos questions, puis je vais le faire de vive voix avec plaisir. Ou si vous préférez poser vos questions par écrit, ben je vous demanderai, comme vous le faites déjà, je pense, s'il vous plaît, de concentrer vos questions sur le forum de discussion Wikifisc, plutôt que m'envoyer des questions par courriel. Ce qui fait en sorte que tout le monde qui suit le cours en ligne en ce moment, vous êtes environ 250 étudiants qui suivez les cours de fiscalité 2 en ce moment, ben vous comprenez qu'en mettant nos questions en commun et nos réponses en commun sur ce forum-là, ça rend service énormément à tous les apprenants, à tous les étudiants qui suivent le cours. Donc, c'est les moyens que je vous propose pour me rejoindre. La balle est dans votre camp de vous en servir parce que moi, là, je suis très disponible pour répondre à vos questions. Donc, là-dessus, je vous souhaite bonne fin de soirée. C'était bien plaisant. On aura un autre webinaire plus tard dans le trimestre, là, donc avant l'examen final, puis qui va être aussi avant l'autre étude de cas. Donc, ça va être la deuxième partie de la session est un calque de la première. Ça va se reproduire. Ça va se refaire de la même façon. Donc, on espère que vous ayez apprécié ça. Je vous souhaite bonne soirée, un bon souper, puis bon travail dans l'étude de cas aussi. Bonne préparation dans votre examen à venir aussi.